Masechet Baba Kama, Daf Ayin He. On va commencer par Ayin Dalet Amud Bet. Ganav Alpi Shenaim, Vetavach Umachav Alpi Ed Echad, O Alpi Atzmo. Meshalem Tashlume Kefel, Ve'eno Meshalem Tashlume Arba V'Chamisha. Ganav Vetavach Beshabbat, Ganav Vetavach La'avod Azara. גנב מי של אביו ומת אביו ואחר כך טבח ומחר גנב והקדיש ואחר כך טבח ומחר משלם תשלום כפל ואינו משלם תשלומי ארבע וחמישה רבי שמעון אומר קדשים שחייב באחריותם משלם תשלומי ארבעה וחמישה שאינו חייב באחריותם, פטור. Cette Mishnah, de manière générale, va nous enseigner tous les cas de figure où le ganav, bien qu'il soit hayav de payer le kefel comme d'habitude, toute personne qui a volé clandestinement, lorsqu'elle s'est faite attraper par les Haïdim, elle a été poursuivie en justice, elle va devoir payer double. Un voleur qui s'appelle Gazlan, c'est-à-dire un voleur à l'arraché, ne paye que le capital, Keren. Mais si il a volé en cachette, discrètement, et ensuite il y a eu des Edim qui viennent témoigner qu'ils l'ont vu, bien qu'il se soit, qu'il ait essayé de se cacher, mais ils l'ont aperçu, cet homme va devoir payer double, le keren et le kefel. Le keren, c'est mamona, mamon. Le kefel, c'est knas, c'est une amende, une pénalité. Nous avions également appris que si le voleur du bœuf ou de l'agneau a ensuite fait la shrita de ce bœuf ou de cet agneau ou l'a vendu, dans ce cas-là, il payera encore trois fois, en tout cinq fois pour le bœuf ou quatre fois pour l'agneau. Ce qu'on appelle Meshalem Arba'a Bahamisha en cas de Tavach Omachav. Là encore, c'est un Knas. Ce n'est pas le prix réel, ce n'est pas Mamona. C'est un Knas, c'est un supplément en tant que sanction, en tant qu'amende. Nous avons une règle de manière générale, je rappelle ça maintenant entre parenthèses. Modé miknas patour. Quelqu'un qui reconnaît sa faute et il vient rembourser le capital, il n'a pas besoin de payer la pénalité. La majoration par rapport à l'amende que la Torah veut lui infliger, c'est seulement si cette personne n'a pas fait teshuva auparavant. Elle s'est fait attraper par deux témoins. Mais si elle est venue d'elle-même avouer, et elle paye le capital, elle n'a pas besoin de payer le kefel. Et même si elle a fait la shrita, où elle a vendu le bœuf ou l'agneau, pas besoin de payer. Arba v'chamisha. Je ferme la parenthèse. Mais notre Mishnah qui va traiter justement du din de Arba v'chamisha, elle va nous enseigner qu'il y a une différence entre kefel et Arba v'chamisha. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas de figure où la personne va devoir payer juste le kefel, mais elle ne payera pas les Arba v'chamisha. Et c'est ça ce que nous enseigne toute la Mishnah. Contrairement à la Mishnah précédente, qui, elle, nous a enseigné tous les cas de figure où la personne est hayav, elle est condamnée à payer pas seulement kefel, mais même Arba v'chamisha. Cette Mishnah nous enseigne le contraire. Quels sont les cas de figure où le ganav, bien qu'il paye un kefel, il ne payera pas Arba v'chamisha. C'est le fil conducteur de cette Mishnah. Voici les différentes cas de figure. Ganav alpi shenayim, vetavach umachav alpi ed echad, ou alpi atzmo. Meshalem tashlume kefel, veno meshalem tashlume Arba v'chamisha. Imaginons le cas suivant. Ganav alpi shenayim.
C'est-à-dire, il a volé selon deux témoins. Ce sont les témoins qui ont témoigné de son vol. Vetava umacha al piadehad. Par contre, lorsqu'il a volé le bœuf ou l'agneau, plus tard, on ne sait pas ce qu'il a fait avec. Eh bien, il y a un témoin, un seul, pas deux, qui témoigne qu'il a vu faire la shrita de ce bœuf ou agneau volé. Alors, est-ce qu'il devra payer Arba Bahamisha? Réponse, non. Pourquoi? Car il n'y a qu'un seul témoin. La Torah exige deux témoins. Alpi Shenaim Aedim, Yakum Dover. Ou Alpi Atzmo. Ou encore, si jamais il vient et il avoue, il dit Moreb Rabotai, c'est vrai que les témoins ont vu que j'ai volé le bœuf ou l'agneau. Mais moi, je vous avoue que je lui ai fait la shrita. Je vous avoue que je l'ai vendu. Eh bien, dans ce cas-là, est-ce qu'il devra payer les trois montants supplémentaires, c'est-à-dire trois fois le prix du bœuf ou de l'agneau? Car généralement, comment on paye cinq fois? D'abord, on paye deux fois pour le vol et trois fois pour la vente ou pour la shrita, s'il s'agit d'un bœuf. S'il s'agit d'un agneau, on paye en tout arba. Comment on paye arba? Kefel, c'est-à-dire le double pour le vol et encore le double pour la shrita ou la vente. Ça fait en tout quatre. C'est pas des classes. Donc, comment sont réparties les obligations? Eh bien, c'est deux et deux, ou deux et trois. Pour le vol, déjà on paye deux fois plus. Pour la shrita ou la vente, si c'est un bœuf, c'est trois fois plus encore. Ça fait en tout cinq. Il paye le quintuple. Si c'est un agneau, alors c'est deux et deux. Deux pour le vol, deux fois plus pour le vol, et deux fois plus pour la vente au shrita de l'agneau. Ça fait en tout quatre, ou le quadruple, ou le quintuple, arba'a, ahamisha. Et ça, tout ce qui est au-delà du capital, ça s'appelle knas. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Eno meshalem al piatzmo. Il ne va pas payer le knas par une auto-condamnation, auto-accusation. Quelqu'un qui vient avouer, il ne peut pas être condamné à payer une amende parce qu'il a avoué. C'est clair. Donc c'est cela, ce que nous dit la Mishnah. Eno meshalem al piatzmo. La question que vous devez poser, c'est que Eno meshalem al piatzmo, arba vachamisha. Le kefel, il payera évidemment parce qu'il y avait deux edim. Nahon ganav al pi shenayim. Mais arba vachamisha, il ne payera pas. Au-delà du double, au-delà du kefel, il ne payera pas arba vachamisha. Pourquoi pas? Étant donné que il n'y a pas deux témoins, il y a soit un seul témoin, soit un aveu personnel. Il est venu avouer. Alors, quel est le ridouche? A priori, il n'y a pas de ridouche. On ne comprend pas quel est l'intérêt de la Mishnah de nous dire une chose aussi évidente, de nous dire qu'il ne payera pas s'il n'y a qu'un seul témoin. Boker Tov, c'est évident. Il y a un seul témoin. Lui, il dit non, j'ai rien fait. C'est-à-dire, j'ai volé parce qu'on m'a attrapé. Il y a deux témoins qui ont dit que j'ai volé, donc là-dessus, il ne peut pas discuter. Mais il n'y a pas de témoin pour la shrita, pour la vente. Ron, il n'y a qu'un seul témoin. Alors quel est l'intérêt de la Mishnah de nous dire qu'il ne payera pas Arba Vachamisha? Mais c'est évident. La Torah nous dit Alpi Shenaim Aedim Yakum Davar. Alpi Shenaim Aedim Yakum Davar. La Torah nous dit que pour condamner quelqu'un, pour quoi que ce soit, il faut un témoignage. Il n'y en a pas. Il faut deux témoins, il n'y a qu'un seul. Alors c'est évident qu'il est à tour. On verra dans la Gemara. Deuxième cas de figure. Ganav et Tavach, Bejabat. Ganav et Tavach, la Avodazara. Un homme qui a volé, qui a fait la shrita de la bête pendant Shabbat. Est-ce qu'il doit payer Kefel? Bien sûr. Il y a deux témoins qui ont vu qu'il a volé. Les deux témoins, ils ont vu qu'il a fait aussi
la Shrita pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah ? Il payera le double, mais il ne payera pas les trois fois supplémentaires. Il ne payera que le double. Mais il ne payera pas les Arba Vahamisha. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la Shrita pendant Shabbat. Étant donné qu'il a fait ça pendant Shabbat, il est condamné à mort pour la Shrita. Et on a une règle, le Kamleb de Rabbamimé. Étant donné qu'il est condamné à mort, on ne peut pas, pour la même action, le condamner à mort et aussi à payer de l'argent. C'est pour ça qu'il ne payera pas le surplus, Arba Vahamisha. Il ne payera que Kefel. Pourquoi il paye Kefel ? Étant donné que ce sont deux actions différentes. Il a fait d'abord Geneva, là il n'était pas condamné à mort, même s'il a fait ça pendant Shabbat. Voler pendant Shabbat, ce n'est pas une interdiction shabbatique, c'est une interdiction même en semaine de voler. Donc ça n'a rien à voir avec Shabbat. Il a volé pendant Shabbat, en soi, c'est une condamnation à payer double. Quelle différence, Shabbat ou pas Shabbat ? Par contre, la deuxième action, qui est Shrita, pendant Shabbat, alors si c'était en semaine, il aurait dû payer trois fois plus. Si c'est Shabbat, il ne payera pas. Pourquoi ? Car on ne peut pas le condamner à payer alors qu'on le condamne déjà à mort. Et on a une règle, Kamle bidraba mine. Ganav et Tavar la Avodazara. Quelqu'un qui a volé un bœuf ou un agneau. Ensuite, il a fait la Shrita pour sacrifier cette bête à l'idole. Est-ce que cet homme-là, à part le kefel qu'il va devoir payer, parce qu'il y a deux témoins qui disent qu'il a volé, et il y a deux témoins qui disent qu'il a fait la Shrita la Avodazara, quelle sera la sentence ? Qu'est-ce que vous dites ? Quelle sera la sentence ? Il payera double pour la Gneva. Et combien il payera pour la Shrita ? Zéro. Non, on ne parle pas de Shabbat. On parle de Tavar la Avodazara. Il a fait la Shrita pour sacrifier la bête à Avodazara. Combien il payera ? Pour la Tviha, pour la Shrita, combien il payera ? Zéro. Pourquoi zéro ? Parce qu'il est lapidé. Vu que cet homme a fait Avodazara. Donc, tu le condamnes à mort pour l'Avodazara, tu ne vas pas le condamner aussi à payer pour cette Shrita. Car cette Shrita, c'était un sacrifice, l'Avodazara. Alors il y a deux façons d'être condamné à mort. Soit Shrita be Shabbat, soit Shrita en semaine, mais pour Avodazara. Dans les deux cas, il est Hayav ce qu'il a. S'il est Hayav ce qu'il a, il ne paye pas. Donc il ne payera que pour la Geneva, le double. Mais il ne payera rien du tout pour la Shrita. Encore, Ganav Michel Aviv, ou Met Aviv, un homme qui a volé son père. Il lui a volé par exemple un bœuf ou un agneau. Ensuite, le père est mort. Ensuite, il a fait la Shrita où il l'a vendu. Quel sera le dîme ? On a vu déjà ça. Oui, alors ça on avait vu. J'ai dit en préambule, vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit, mais j'ai dit en préambule que cette Mishnah, c'est le revers de la Mishnah précédente. Là-bas, on avait vu tous les cas de Hayav Arba Vahamisha. Ici, on voit tous les cas de Pato. Qui est-ce qui se rappelle ? Si déjà vous dites on a déjà vu, alors dites-moi qu'est-ce qu'on a déjà vu. Quel est le revers de cette phrase ? Ici, il est écrit « Ganav Michel Aviv » Omet Aviv, Vahakartava Humachar. Quel est le din dans cette Mishnah et quel est le din dans la Mishnah précédente ? Vous n'êtes pas loin de la réponse juste, mais vous n'êtes pas. Il a vendu son père, il n'y a pas encore. Il a fait la charité après la mort de son père. Oui, vous rôdez autour, mais j'entends pas des choses claires. Quel est le cas clair de la Mishnah précédente et le din, le cas clair de cette Mishnah et le din. C'est quoi ? Il y a une chose et son contraire. Alors très bien, allez, je vous écoute. Ganav, one. Il est mort. Il a volé du vivant du père. Ensuite, le père est mort. Le père est mort. Il a fait la Shrita. Il a fait la Shrita. Dans ce cas-là, quel est le din ? Alors le din dans ce cas-là, on a déjà dit que cette Mishnah et la Mishnah précédente, c'est le positif et négatif. Donc nous avons les mêmes éléments, mais pas dans le même ordre. Les trois éléments qui constituent le Chiyuv ou pas, c'est Wan, Ganav, Michel, Aviv. Il a volé son père quand son père était vivant. Ensuite, il y a eu Shrita.
La question, la, le Ganav, Vetavar, excusez-moi, il n'y a que deux éléments, ça, pardon. Il n'y a pas trois éléments. Deux éléments. Il y a Ganav, Vetavar, et les. Ça veut dire au niveau de l'homme, il n'y a que deux actions. Le troisième élément, c'est la mort du Père. Voilà. Avant, on a. Écoutez, écoutez maintenant. Écoutez, s'il vous plaît, maintenant, l'angoche. Bon. Ganav et Tavar, c'est toujours les deux infractions. Ça, ça ne change pas. Ce qui change, c'est le troisième élément, c'est l'élément intermédiaire. Met, le père est mort, mais quand il est mort, il est mort avant la Shrita ou il est mort après la Shrita. C'est toute la différence entre la Mishnah précédente et cette Mishnah. Alors maintenant, dites-moi, dans quel cas il est patour, dans quel cas il est khayab de payer Arba Ramisha. Je vous écoute. Quand la Shrita, elle est avant la mort ou après la mort? Quand est-ce qu'il doit payer Arba Ramisha? Avant la mort, il est khayab de payer Arba. Avant la mort du père, si le père n'est pas mort et qu'il a jeté la bête, il doit payer Arba Ramisha. Après la mort, il ne paye pas. Parce qu'il est déjà héritier de la bête. Très bien. C'est-à-dire que si le bonhomme a volé son père et il a fait la shrita de la bête de son père et ensuite son père est mort, étant donné qu'il devait déjà reverser une indemnité à son père de Arba Hamisha, c'est pas parce que son père est mort maintenant qu'on va l'acquitter. Monsieur, tu étais hayav de payer à ton père le quintuple, eh bien ce quintuple tu le dois encore à ton père. Ton père est décédé, eh bien, toi et tes frères, vous allez hériter de ce quintuple. Vous êtes, par exemple, deux frères, imaginons qu'il n'y a pas de Bechor, vous êtes deux frères, eh bien, c'est 50-50. Tu vas poser sur la table le quintuple, tu le divises en deux, tu prends la moitié, tu donnes la moitié. Parce que cet argent, tu le devais à ton père. C'est comme s'il était déjà dans la poche de ton père. Ton père est décédé, maintenant vous héritez, vous partagez en deux. Et toi, tu lui as déjà payé à ton père. C'est comme si tu lui avais déjà payé. Parce que ce que tu lui dois à ton père, tu le dois aux héritiers. Toi, tu fais partie des héritiers, ben, tu auras ta part. Tu auras ta part dans le CNAS. Mais si, c'est l'inverse. D'abord, le père est mort. C'est-à-dire, il a volé le père est mort. Et ensuite, il a fait la shrita. Dans ce cas-là, la Mishnah ici présente nous dit patour, payera pas Arba Ramisha, payera que le kefel aux héritiers, à partager avec les héritiers, mais il ne payera pas Arba Ramisha. Pourquoi? On l'apprend du pasuk, utvaho, utvaho kulo. C'est ce qu'on avait appris à l'époque dans la Mishnah, dans la Gemara, que la Torah écrit, feignov, ish, shor osé. Pourquoi s'écrit Utvaho et pas Vetavah? Utvaho Kulo. S'il est entièrement à son père, s'il est entièrement au volé, mais s'il y a une partie qui lui appartient à lui, comme en l'occurrence, la bête qu'il avait volée, qu'il devait rendre à son père et qu'il doit rendre à ses frères, son père est mort. Si le père est mort, maintenant la bête, à qui il doit la rendre? À lui-même. Au frère et à lui-même. Étant donné que lui, il a une partie dedans, donc quand il fait la shrita de cette bête, il ne fait pas la shrita d'une bête qui est entièrement volée. Utvaho kulo. Il est toveyah, que 90%, ou que 50%, ou que... Il n'y a que ça qui est volé. Il y a une partie qui est à lui. Alors c'est pour ça qu'il n'est pas tout. C'est ce que nous dit notre Mishnah. Ganav vetavah. Ganav michel aviv. Ou metaviv. Ve'achavkar tavah umachav. Répétons les trois éléments. Ganav michel aviv. Il a volé son père. Ou metaviv. Deuxième élément. Troisième élément. Achavkar tavah umachav. Dans ce cas-là, pas tout. Ganav yigdish ve'achavkar tavah umachav. Meshalem tashlum ekefel, veno meshalem tashlum arba vachamish. Encore un cas de figure de patour. C'est au cas où il a volé le taureau ou le bœuf et il a été makdish.
On avait déjà vu dans la Gemara plus haut qu'il s'agit du cas où le propriétaire a fait Yehush. Sinon, le Ganav n'aurait pas pu sacraliser cette bête qu'il a volée. Ganav et Higdish. Déjà, cette phrase, on ne la comprend pas. Comment un voleur peut sacraliser le bœuf ou l'agneau qu'il a volé? Pourtant, un voleur ne peut pas consacrer au Beth Amikdash quelque chose de volé. La réponse, c'est seulement avant Yehush qu'il ne peut pas. Mais après Yehush, il le peut. Pourquoi il le peut? Car il y a ce qu'on appelle Yehush et Shinui Reshut. De deux choses l'une. Soit tu dis que Yehush connaît, d'après celui qui dit que Yehush connaît, soit que Yehush plus Shinui Hashem, Shinui Reshut, du fait qu'avant ça s'appelait Houlin, maintenant ça s'appelle Ekdesh, du fait qu'avant c'était un être humain, maintenant c'est au divin, donc il y a ici Yehush et Shinui Reshut connaît. Beseder. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le voleur a volé une bête qui était profane. Et ensuite, il a sacralisé. Il doit payer combien en propriétaire de la bête, déjà? Aidez-moi. Kefel. Kefel, bravo. Il doit payer double. Maintenant, une fois qu'il a sacralisé, il lui a fait la shrita. Est-ce qu'il doit payer pour cette shrita Arba Mahamisha? Non. Réponse, non. Pourquoi non? Bravo. Parce que c'est Ekdesh. Il n'y a pas de Arba Mahamisha pour une bête qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Et pourquoi il n'y a pas de Arba Mahamisha? Pourquoi c'est uniquement pour, par rapport à l'individu humain et pas par rapport au divin? Parce qu'on a dit que c'était par rapport dans, dans le passou qui a écrit... Enfin, ici dans le passouk de... Ça appartient à quelqu'un de... Parce que les borshuto dans... Non, ça lui appartient. On s'est dit qu'il faut que ça appartienne à un être vivant. Non. C'est écrit « Ish, shor, osse, utvaho, umecharo, hamisha bakari, eshalem, tahata shor, verbatson, tahata se. » Il n'y a pas écrit qu'il faut qu'il vole un être humain. Bah, oui, non, mais la bête est censée appartenir à un être humain, comme dans le passouk. Non, mais peut-être qu'elle appartient aussi au Ekdesh, au Beth Amikdash. Il n'est pas écrit à qui il a volé. Il est écrit que l'homme a volé. Il n'y a pas écrit à qui. Alors pourquoi tu fais une différence? Pourquoi tu dis que le din de Arba Mahamisha, c'est que vis-à-vis d'un humain et pas vis-à-vis du Ekdesh? Alors écoutez la réponse. Parce qu'il est écrit dans Parashat Mishpatim à propos du voleur qui va devoir payer Kefel. Seulement s'il a volé un être humain. Comme il est écrit, Yeshalem Shenaim. Il payera double à son prochain. Dans Arba Mahamisha, il n'y a pas écrit son prochain. Dans le Kefel, il y a écrit le prochain. Alors pourquoi est-ce que même Arba Mahamisha, on lui applique la même règle? La réponse, c'est qu'étant donné que Kefel, quand on dit Arba Mahamisha, ça inclut le Kefel. Si tu retires le Kefel, alors ça ne va pas faire Arba Mahamisha, ça va faire Shlosha et Arba. Et nous avons une règle. Qu'on ne paye que Arba Mahamisha. On ne paye jamais Shlosha Arba. C'est Outou ou rien. Du fait que il n'est pas tour de Kefel, donc il n'est pas tour de Arba Mahamisha par voie de conséquence. Voilà. Alors, Gana Bigdish nous dit la Mishnah, pas tour. Voilà. Il ne payera pas Arba Mahamisha. La fin de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Omer Kadashim Shehayav Beharayutam Meshalem Tashlume Arba Mahamisha Sheheno Hayav Beharayutam Patur. Rabbi Shimon dit ici une phrase qui est très éloquente, mais la Gemara va nous dire qu'elle n'est pas directement liée à la phrase précédente, c'est-à-dire à l'opinion de Tanakama qui précède. Rabbi Shimon, ici, il enseigne une loi générale. Parce qu'il faut comprendre que dans cette Mishnah, on a déjà terminé le sujet principal, à savoir quels sont tous les cas de figure où on n'est pas tour. Bien qu'on paye Kefel, on n'est pas tour de payer Arba Mahamisha. C'est tout ce qu'on a énuméré. Mais Rabbi Shimon donne un chidouche fabuleux. Il dit comme ça. Quel est le din si quelqu'un a volé un korban de son prochain? Exemple, il y a quelqu'un qui devait apporter au Beth Amikdash un korban. Exemple, il a fauté. Il devait apporter un korban expiatoire.
Ce corban expiatoire, il a déjà désigné la bête, il dit voilà, Zot Hatat. Elle est maintenant en train de rôder, gambader dans la cour, et il attend l'occasion d'aller à Jérusalem pour l'amener au Beth Amikdash. En attendant, le voisin l'a volé. Est-ce que le voisin doit payer Kefel? On a dit que le Kefel n'existe pas quand on vole le divan. C'est uniquement lorsqu'on vole l'humain. Ici, il est écrit Yeshalem. Dans la Torah, il est écrit Yeshalem Shenaim Lere'ehu. Lere'ehu Velo La Hekdesh. Il payera double que si on vole un humain. Or, ici, il a volé un Kadosh Baruch Hu, car la bête, elle était Kadosh. Donc, elle appartient à Dieu. Il a volé Dieu. Est-ce qu'il doit payer double? Non. Quel est le din? Le din, il est le suivant. C'est que Rabbi Shimon dit il y a une exception à cette règle. Dans quel cas il ne payera pas double? C'est seulement s'il a volé un corban dont le propriétaire du corban n'est pas Hayav Baharayut, il n'est pas garant. Mais si le propriétaire du corban est garant du corban, dans ce cas-là, le voleur de ce corban devra payer au propriétaire du corban le double, comme s'il avait volé un objet profane. On s'explique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il existe deux catégories de korbanot. Un korban qu'on est tenu d'apporter et un korban qu'on est tenu d'apporter, mais on n'est pas garant. On n'a pas une garantie à apporter. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est très, très simple. Par exemple, quelqu'un dit « Harezu Ola ». Cette bête-là, je l'offre au Beth Amikdash, Ola. Ou bien « Harezu Shlamim ». Cette bête-là, elle est Shlamim. Ça s'appelle un korban facultatif. Ce korban facultatif, imaginons qu'il y a eu un incident. Lequel? Cette bête a disparu. Elle s'est évadée. Elle s'est égarée. On l'a perdue. Est-ce que le propriétaire doit apporter encore une autre bête à la place de celle-là? Non. Qu'en dites-vous, Rabbi Shimon? Non. Oui, parce qu'il a fait un... Eh bien, non. Pourquoi non? Parce qu'il n'a jamais dit « Je m'engage à apporter ». Il a dit « Celle-là, elle sera corban ». Eh bien, si celle-là n'est plus là, eh bien, celle-là n'est pas là. Il s'était engagé qu'à apporter celle-là en tant que corban. Il n'a jamais dit une autre. Donc, si elle a été égarée, il n'a aucune garantie, il n'est pas garant, c'est-à-dire qu'il n'a aucune obligation d'apporter une autre. Ça s'appelle Kadashim, chez Eno Hayav Be'aharayutam, un Kodesh dont il n'est pas garant. Maintenant, quel est le din si il n'a pas dit Harezu, Ola, celle-là, elle est Ola, Shlamim. Il a dit Hare Alai, Ola, Hare Alai, Shlamim. Je m'engage à apporter un jour au Beth Amikdash, un korban Ola ou Shlamim. Et ensuite, voilà qu'il a pris une bête, il a désigné et on lui a volé. Ou bien, elle s'est égarée. Quel est le din? Il est obligé d'apporter une autre. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas dit Zo, il avait dit Alaï. Et dans ce cas-là, il est garant. S'il est garant, donc il doit apporter une autre. Très bien. Encore une autre catégorie de korbanot où il est garant. Exemple, il a fauté. Il devait apporter un korban qui s'appelle Hatat. Un sacrifice expiatoire, où il a fauté une faute qui le condamne à apporter un sacrifice qui s'appelle Hacham. Il y a des fautes pour lesquelles il faut apporter Korban Hatat, il y en a pour lesquelles il faut apporter Korban Hacham, n'est-ce pas, tous les matins vous répétez avant la prière, les Shisha Hachamot, Hacham Meilot, Hacham Gezelot, Hacham Shivha Hamufa, Hacham Etzora, Hacham Nazir et Hacham Talouy, n'est-ce pas? Donc il y a 6 Hachamot, il y a différentes fautes qui peuvent entraîner Korban Hacham, d'une manière ou d'une autre. Le Hacham, c'est un sacrifice obligatoire. Oui. Si la personne a désigné cette bête en disant « Celle-là, elle est Hacham, celle-là, elle est Hatat », et voilà que la bête a disparu, elle s'est égarée, elle s'est évadée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait le propriétaire? Il doit apporter une autre bête. Donc ça s'appelle Kadashim, chez Hayav, mais Aharayutan, un Korban dont il est garant. Étant donné, nous dit Rabbi Shimon, écoutez la phrase magique de Rabbi Shimon, d'avar agorem le mamon, ke mamon dami. Répétons, d'avar agorem le mamon, ke mamon dami. Rabbi Shimon, ce qui vient nous enseigner au travers de cette Mishnah, que c'est vrai qu'un voleur
qui a volé le Beth Amikdash, il ne doit rembourser que le capital. Il n'y a pas de Knas, ni de Kefel, ni Abba Bachamisha. C'est vrai. Mais c'est uniquement pour une bête qui appartient entièrement au Hekdesh. Mais si l'être humain a une responsabilité vis-à-vis du Hekdesh, c'est comme si ça appartenait à l'être humain. Exemple, le voleur a volé un korban de son propriétaire, mais c'était un korban pour lequel le propriétaire était garant. Comme par exemple, korban hatat, ou shlamim, ou nedarim, pas nedavot. S'il lui a volé un korban qui n'était que nedava, harezu, ola, harezu, shlamim, donc le propriétaire n'est pas garant, si jamais elle a été évadée. Alors même s'il lui a volé, ça s'appelle voler qui ? Le voler le Hekdesh. Donc il ne payera pas le Kefel. Il ne payera pas le Baba Khamisha. Il ne payera que le capital. Mais s'il a volé une catégorie de Korban dont le propriétaire va devoir apporter de son porte-monnaie encore un autre Korban à la place de celui qui a été volé, alors c'est comme s'il lui a volé. Davaragorem le Mamon, Kemamon. C'est-à-dire qu'étant donné que maintenant, en volant le Hekdesh, il va voler le porte-monnaie du bonhomme. C'est-à-dire que ce bonhomme-là, maintenant, il va devoir ouvrir son portefeuille pour acheter une bête équivalente à la précédente. Donc c'est comme s'il lui a volé cette somme-là de son portefeuille. Donc il devra payer double. Il devra payer Arba Bachamisha. C'est ce que dit Rabbi Shimon. Regardez la fin de la Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Kadashim, Shehayav Be'acharayutan, Meshalem Tashlome, Arba Bachamisha. Un korban pour lequel il y a aharayut, il devra payer 4 fois plus ou 5 fois plus. Chez Eno Hayav, mais aharayutam, pas tout. Mais si il n'y a pas de aharayut, alors il est pas tout. Gemara. Alpiaïd Had, Pshita, Amre, Hakamashmaalan, Alpiaatsmo. Dumiyad al-pi edehad. Ma al-pi edehad. Kiate edehad. Mitztaref bahade mihyav. Al-pi atzmonami. Kiatu edim mihyav. Le apuke mi de ravuna marab. De amaravuna marab. Mode biknaz. Le hakar bahu edim. Patou. La Gemara s'interroge quant à l'enseignement premier de la Mishnah, qui paraît totalement superflu. La Mishnah nous dit « Gana vetava halpi shenaim, vetava humbachar halpi adehan, ou halpi atzmo, mishalem tashlome kefel, veno mishalem tashlome arba vachamisha. » Si la personne s'est fait attraper pour le vol, alors deux témoins, il y a deux témoins qui ont vu le vol, mais ils n'ont pas vu la shrita. Il n'y a qu'un seul témoin qui a vu la shrita. Quel est le din? La Mishnah nous a dit qu'il payera Kefel pour le vol, mais il ne payera pas Baba Hamisha. Pourquoi il ne payera pas Baba Hamisha? Car il n'y a qu'un seul témoin. Il n'y a pas deux. La Gemara dit Al-Piyadehad, Pshita. C'est sûr, s'il n'y a qu'un seul témoin qui ne payera pas Baba Hamisha, on ne peut pas condamner quelqu'un sans le témoignage de deux témoins. C'est la Torah qui le dit, c'est un pasouk mefourage. On a besoin d'une Mishnah pour ça. Réponse. Amré, les Hakamim ont répondu. Hakamashmalan. Voici l'intérêt de nous enseigner cela dans la Mishnah. On vient nous enseigner un élément sous-jacent. Lequel? Alpi atzmo domia de alpi adehad. Ma alpi adehad, ki ate adehad mitztaref bahade mihyav. Alpi atzmo nami ki atu edim mihyav le apukem ideravuna marav. C'est-à-dire, quel est le din si il y a un témoin qui est venu un jour, un autre témoin qui est venu le lendemain? Est-ce qu'on peut condamner l'accusé par rapport à ce deux témoignages? Dans Maseret Sanhedrin, c'est une mahloket. Il y a ceux qui disent qu'il faut qu'ils viennent en même temps. Mais Rachid dit, on vient nous enseigner ici que l'alakha est comme Rabbi Yoshua ben Korha. De Amar Besanedrim d'Aflamé.
Shomaim dvarav shel ze hayom, kshevo chaviro lemahar, shomaim et dvarav. Rabbi Yoshua ben Korcha nous dit, ils n'ont pas besoin de venir ensemble. Premier témoin peut venir aujourd'hui, deuxième témoin, il viendra la semaine prochaine. Le principal, c'est qu'on ait deux témoins. Alors, c'est cela l'allusion que veut nous faire la Mishnah ici, en te disant, de la même façon qu'il est possible d'acquitter quelqu'un un jour et de le condamner le lendemain, il suffit de compléter l'élément manquant pour engendrer une condamnation. Exemple, on a un témoin, on ne peut pas condamner. Arrive le lendemain le deuxième témoin, on peut condamner. Ce qui veut dire que l'assemblage des deux éléments, un élément aujourd'hui, un élément demain, vont faire que hier on ne pouvait pas condamner, aujourd'hui on peut condamner parce qu'on a, voilà, l'élément manquant est arrivé. Eh bien, on a juxtaposé à cette phrase une autre phrase. Laquelle ? On a dit Tavar ou Machar, Alpi Edehad, ou Alpi Atzmo. Vous avez entendu ? Alpi Edehad, ou Alpi Atzmo. C'est-à-dire que la Mishnah dit Enom et Shalem Abba Vachamisha, quand l'accusé n'est, comment on appelle ça ? N'est jugé au Beddin que par rapport à un seul témoin. On ne peut pas le condamner. À payer Babaramisha. Ou bien il n'est jugé que par rapport à son aveu. À son aveu, il a avoué. Alors on ne peut pas le condamner. Alors on veut te dire comme ça. Quand il est condamné à Al-Pi'edehad, est-ce que son acquittement est définitif ? Non. Son acquittement n'est pas définitif. Il pourrait y avoir condamnation même après acquittement. Quelle pourrait être la condamnation ? Eh bien, c'est qu'il y a un deuxième témoin. S'il y a un deuxième témoin qui arrive le lendemain, eh bien, il va s'associer au précédent. Ça fera deux témoins et on le condamnera. Ça veut dire, un jour, il y a eu acquittement, le lendemain, il y a eu condamnation. Ce n'est pas irréversible. Eh bien, la même chose. Quelqu'un qui est venu avouer de lui-même au Beddin et il a dit, j'ai volé. Et j'ai même fait la shrite. Eh bien, il ne payera pas. En l'occurrence, on ne parle pas de ce cas. En l'occurrence, on parle. Il y a deux témoins qui ont dit, il a volé. Ensuite, lui-même, il arrive et il dit, Rabotai, après que j'ai volé, j'ai fait la shrita. Donc, pour le vol, il s'est fait attraper. Pour la shrita, il ne s'est pas fait attraper, mais il a avoué. Quelle sera la sentence ? La Mishnah nous a dit, il payera double, mais il ne payera pas Abba Vachamisha. Très bien. Quel est le din ? Et c'est là où on arrive au sommet de la pyramide. Quel est le din si le lendemain arrivent deux témoins et ils disent, on a vu qu'il a fait la shrita du taureau volé. C'est-à-dire, lundi, il est venu au Beddin, il a avoué qu'il a fait la shrita. Mardi, il y a eu deux témoins qui sont venus, qui ont témoigné qu'il a fait la shrita. Est-ce que dans ce cas-là, il payera Arba Vachamisha, puisque maintenant on a deux témoins, oui ou non ? Eh bien, la Mishnah, la Gemara est en train de dire, bien sûr que oui. Pourquoi ? C'est tout le Hidouche. Tout le Hidouche, c'est de comparer Alpi Atzmo, Alpi Edehad. De la même façon que quelqu'un qui a été accusé sur la base d'un seul témoin. On l'avait acquitté parce qu'on a dit un seul témoin ne suffit pas. Mais cette situation, elle n'est pas irréversible. Cet acquittement n'est pas définitif. On s'est bien ravisé le lendemain quand le deuxième témoin est arrivé. On a dit, ah, maintenant il y a deux témoins. Mardi, il n'y avait qu'un seul témoin. Mercredi, il y a encore un témoin. Ça fait deux. Alors, mercredi, on le condamne, alors que mardi, on l'a acquitté. Eh bien, pareillement, Alpi Edehad ou Alpi Atzmo, mardi, il a avoué, mercredi, il y a eu deux témoins, eh bien, il y a eu acquittement mardi, il pourra y avoir condamnation mercredi. Quelle est la différence ? C'est que mardi, c'est lui qui a avoué, mercredi, il y a deux témoins. Donc, bien que on l'ait acquitté mardi, mais cet acquittement n'est pas définitif. Il n'est pas irréversible. Voilà la raison pour laquelle
la Mishnah a écrit un din évident, c'est pour lui comparer à ce din évident un din qui est moins évident. Et d'ailleurs, vous êtes tous tombés dans le panneau quand je vous ai dit quel est le din s'il a avoué mardi et ensuite il y a eu deux témoins mercredi. Vous avez dit il n'est pas tour. Vous avez dit il n'est pas tour. C'est faux. C'est exactement ce que la Mishnah veut maintenant nous enseigner par allusion, c'est qu'il est rien. C'est-à-dire que son aveu est beaucoup moins à tour quand même. Son aveu à lui. Non, ça veut dire que maintenant, l'information, on l'a obtenue, pas que par lui, on l'a obtenue par deux témoins. La Gemara dit, a priori, cette Mishnah contredit Rav, car il en ressort de cette Mishnah que Modé Biknas. Bien que modé biknas patour, c'est tant qu'il n'y a pas eu de redim. Mais dès que le lendemain de l'aveu, les redim arrivent, eh bien, on remet sur le tapis tout le dossier et on le condamne à payer le knas. Donc mardi, il a avoué, on lui a dit tu peux rentrer chez toi, tu n'es pas hayab de payer le knas. Mais mercredi, les redim sont venus et là, on le rappelle et on le condamne. Ça, c'est ce qui en ressort de la Mishnah. La Gemara dit, cette halakha, elle contredit la halakha de Rav. Rav Huna, c'était l'élève de Rav. Et il a dit au nom de son maître le contraire. Regardez. Les apuke, mide Rav Huna marav, de amar Rav Huna marav, mode biknas, ve harkar ba'u edim, patour. C'est-à-dire, les amis, quelqu'un qui est mode biknas, et ensuite, il y a eu des redim. Il est patour. Rav n'est pas en adéquation avec la Mishnah. Pourquoi? Parce que lui, Rav dit, modé biknas, quelqu'un qui avoue, eh bien, ce n'est pas simplement qu'on ne peut pas le condamner sur la base de son aveu, mais son aveu, c'est un shampoing. Modé biknas, patour. C'est-à-dire, selon Rav, quelqu'un qui vient avouer de lui-même au Bedin qu'il a commis une infraction qui est censée entraîner normalement un knas si jamais il y avait eu deux témoins qui l'avaient attrapé. Mais en l'occurrence, puisque ce ne sont pas les témoins qui sont venus d'emblée, d'abord lui il est venu et il a dit « Rabotai, hattati, aviti, pashati » il a avoué. Eh bien, Rav va dire « L'aveu est un facteur qui déclenche l'acquittement. » Et là, ça devient irréversible selon Rav. Même si plus tard, il va y avoir des témoins, on ne va pas remettre sur le tapis le dossier. C'est-à-dire que mardi, il a avoué. Mercredi, il y a eu des témoins. On dit aux témoins, messieurs, rentrez chez vous. Ce monsieur a déjà avoué hier, et donc on ne va pas maintenant le condamner sur la base de votre témoignage. Donc on a ici une mahloket. Selon la Mishnah, on le condamnera, car l'aveu de mardi n'est pas un shampoing pour le laver de sa faute, c'est juste dire qu'on ne peut pas le condamner sur la base de son aveu. On ne peut le condamner à payer un knas que s'il y a deux témoins. En attendant, il n'est pas encore hayab. Mais si les témoins arrivent, même après son aveu, il sera hayab de payer Arba Bahamisha. Il sera hayab de payer le knas. Selon Rav, impossible. Rav dit, si quelqu'un a avoué sa faute, ça y est, il est acquitté ad vitam aeternam. Et même si les redim viennent par la suite et témoignent de sa faute, on ne remet pas sur le tapis son dossier. Il restera patour. Maintenant que nous avons compris que cette Mishnah contredit Rav, la Gemara va se focaliser sur Rav. Goufa. Quand est-ce qu'on utilise le mot goufa? C'est une terminologie que la Gemara emploie chaque fois qu'elle veut se focaliser sur un sujet qui avait été cité précédemment. Mais maintenant, elle va en faire l'essentiel du traitement. Amaravuna, Amarav, Modeviknas, Varakarbaou, Edim, Patour. C'est-à-dire, Rav, selon Ravuna, c'est-à-dire, Ravuna, l'élève de Rav, cite les paroles de son maître.
Et il dit, Modé Biknas, de Harkarbaou Edim, Patour, un homme qui a avoué une faute qui, si jamais il s'était fait attraper par des Edim, il aurait dû payer le Knas, étant donné que d'abord il a avoué, même si plus tard viennent les Edim, il restera Patour. Et Tivé Rav Hizda les Ravuna. Rav Hizda pose la question à Ravuna, lui dit, excuse me. Et tu verras Chizda le Ravuna, il lui dit, je ne comprends pas ce que tu dis. Maase Beraben Gamliel, Shesima et Aintavi Avdo, Vaya Samea Simcha Gdola, Metsao le Rabbi Yoshua et Amarlo, Iata Yoddea, Shetavi Avdi, Yatsala Herut, Amarlo Lama, Amarlo Shesimiti et Aino, Amarlo Enbidvarecha Klum, Shekvar en lo edim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de témoin. Il dit qu'il y a un témoin. Réga. D'abord, la Gemara, pardon, Rav Hizda cite une baraita qui raconte une histoire. C'est quoi l'histoire? Il était une fois un grand Rav qui était le Nassi d'Eretz Israël. Il s'appelait Rabban Gamliel. Rabban Gamliel avait un esclave cananéen, Eved Kenaani, très célèbre. Il se nommait Tavi. Et Tavi, c'était un Eved Kenaani que Rabban Gamliel aimait beaucoup. Parce qu'il était Talmid Hacham. Ce Eved Kenaani aimait les mitzvot, aimait la Torah. Bien que initialement c'était un goy, c'était un Kenaani. Et vous connaissez, il y a beaucoup d'histoires dans le chasse. Rabban Gamliel, comment il aimait son esclave. On ne va pas faire la biographie de ta vie avec Rabban Gamliel. Et en tout cas, Rabban Gamliel, un jour, il croise Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua lui dit, je vois que tu es très heureux. C'est quoi cette Simcha Gedola? Il lui dit, je suis très content pour mon esclave, Tavi. Désormais, il est libre. J'en rêvais de son affranchissement, mais je ne pouvais pas le libérer. Vous savez pourquoi on ne peut pas libérer un Eved Kenaani sciemment? La Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de libérer un Eved Kenaani. A priori, c'est une chose interdite. Comme il est écrit dans la Torah, Ve'itnahaltem otam libnechem acharechem lereshet achuza le'olam bahem ta'avodu. Il y a une mitzvah assez de le'olam bahem ta'avodu. Vous devez les asservir et les laisser comme héritage à vos enfants. Ce qui veut dire qu'un esclave cananéen, son maître n'a pas le droit de le libérer. Mais il y a une libération tacite, laquelle, s'il lui a cassé une dent, ou lui a crevé un œil, maintenant est-ce qu'il faut qu'il lui casse la dent, qu'il lui creve l'œil volontairement, ou bien même involontairement? Même involontairement. Imaginons par exemple, ils étaient en train de faire la souka, le maître avait le marteau, il était en train de clouer, et l'autre, il monte sur l'échelle derrière le maître qui est faisait comme ça, et hop, il lui a fait rentrer le marteau dans l'œil, ou dans la bouche, il lui a cassé la dent. Eh bien, à ce moment-là, le Eved Kenaani, liberté, égalité, liberté, fraternité. Là, ce monsieur est libéré. Rabban Gamliel raconte à Rabbi Yoshua, c'est ce qui s'est passé. Sans faire exprès, j'ai donné un coup à mon esclave Tavi, Skin, son œil est crevé, mais je suis content pour lui, parce que après tout, c'est un homme libre. Je voulais tellement l'affranchir, mais j'étais limité par l'interdiction toraïque de libérer son Eved Kenaani. Désormais, c'est la Torah elle-même qui l'a libéré, car sans faire exprès, je lui ai crevé l'œil. Rabbi Yoshua dit à Rabban Gamliel, Amarlo Rabbi Yoshua. En bidvarecha klum. Vous n'avez rien dit, Rabbi. C'est faux.
Vos paroles, votre déclaration est fausse. Vous dites qu'il est libre, il n'est pas libre, c'est encore votre esclave. Pourquoi ? Shekvar en lo edim. Est-ce qu'il y a des témoins qui ont vu que vous lui avez crevé l'œil ? Non ? Eh bien non. Car la libération du Eved Kenani par la crevaison de l'œil ou la chute de la dent causée par le maître, c'est un knas, c'est une amende, c'est une sanction. Or, pour un knas, il faut qu'il y ait des témoins. S'il n'y a aucun témoin qui a vu ce scénario, eh bien, même si vous venez l'avouer, ça ne marche pas. Il reste votre esclave, bien que vous avouez que vous lui avez crevé l'œil. Modébi knas, pato. Et regardez maintenant la déduction. Il lui a dit, vous n'avez pas de témoin. Hayeshlo edim, shamin, hayav. Sous-entendu, que si maintenant il y avait des edim, même dans la mesure où Rabban Gamliel a déjà été modé, bien que Rabban Gamliel a déjà avoué qu'il a crevé l'œil de son Eved Kenani, malgré tout, il sera libéré. Ça veut dire que les Edim qui arrivent après l'aveu, les Edim ont un impact sur le jugement. Tu vois d'ici le contraire de ce qu'a dit Rav. Rav a dit qu'une fois qu'une personne a avoué Modebiknas, elle est patour ad vitam aeternam. Même s'il y a des témoins qui viennent par la suite pour le condamner, étant donné qu'il a déjà avoué au Beddin, alors, ça y est, il est acquitté définitivement. Qui est-ce qui a dit ça ? Rav. Et qui est-ce qui est celui qui l'a cité ? Rav Huna. Rav Hizda dit à Rav Huna, mais comment Rav il peut dire une chose pareille ? Mais il contredit Rabbi Yoshua. Toute la raison pour laquelle cet esclave n'était pas affranchi selon Rabbi Yoshua, c'est parce qu'il n'y avait pas d'aïdim. Tout ce qu'on avait comme preuve qu'il a été agressé par Rabban Gamliel, c'est l'aveu de Rabban Gamliel. Sous-entendu que s'il y avait des aïdim, même si Rabban Gamliel a déjà été modé, que c'est lui qui lui a crevé l'œil, modé biknas patour, c'est seulement quand c'est lui. L'information, elle arrive par lui. Mais s'il y a des Edim qui arriveraient par la suite, il serait hayav de le libérer. Hayav. Donc tu vois que ce que dit Rav est contredit. Rav a dit, modé biknas patur ad vitam aeternam. Même s'il y a des Edim qui viennent par la suite, les Edim ne pourront pas le condamner à payer le knas, car il a déjà avoué. Et l'aveu, c'est un shampoing qui nettoie la personne du knas. Donc ça y est, finish. Il n'y a plus de chef d'accusation. On ne peut pas remettre le dossier sur le tapis, même quand ils viendront les redim le lendemain. Or ici, tu vois que c'est faux. Laquelle est la preuve que c'est faux ? C'est que Rabbi Yoshua a dit à Rabban Gamliel, ton Eved est resté ton Eved, même si tu lui as crevé l'œil, car il n'y a pas de redim. C'est toi qui avoues, il n'y a pas de redim. Et puisque la libération d'un Eved, c'est un knas, modé bi knas, pas tout. Mais du fait qu'il l'ait dit, il n'y a pas de Edim, machma que s'il y avait des Edim, même si les Edim arrivent après l'aveu de Rabban Gamliel, le Eved Kenani, qui s'appelait Tavi, Mr. Tavi, aurait été libéré. Donc c'est le contraire de ce qu'a dit Rav. Hayesh lo Edim, Hayav, Veshamainan Minna. On pourrait déduire d'ici le contraire de ce qu'a dit Rav, c'est-à-dire Modé Miknazar Akarbaou Edim, Hayav. Comment Rav a pu dire patour ? Amar, il lui a répondu, Sha'ane Rabban Gamliel, Delo Bifne Bedin Ode. Qu'est-ce que ça veut dire ? La Gemara dit, je vais te dire pourquoi les Edim auraient pu avoir un impact. Je peux très bien dire que Rav a raison. Qu'est-ce que ça veut dire, il a raison ? S'il a déjà été modé, il est patour définitivement. Et même s'il y a des témoins qui arrivent par la suite, il restera patour, ça ne changera rien. Mais c'est seulement
s'il avait été modé biknas devant un bedin. C'est là où on dit modé biknas patour. Et Rav va dire patour, même s'il y a des edim qui arrivent par la suite. Mais c'est seulement si la hoda'a était devant un bedin. Mais ici, la hoda'a de Rabban Gamliel, elle était où? Dans la rue. Bien sûr, il a rencontré, il a croisé inopinément, occasionnellement, dans la rue. Eh bien, c'est la raison pour laquelle cette hoda'a n'est pas prise en compte. Alors, la Gemara pose la question, il dit, « Rabbi Yoshua, Av Bedin Hava ». Je ne comprends pas. Mais Rabbi Yoshua, il a un statut de Av Bedin, donc ça s'appelle un aveu devant le Bedin. La Gemara dit, « Shelo Bedin Hava ». Il ne siégeait pas à ce moment-là au Beddin. Rashi, regardez le premier Rashi de la page. Shelo bebeddin hava, lo hayu beddin yoshvim, velo makom yeshivat beddin hu, et la bashuk hodalo. Rashi nous dit que c'était dans le marché, c'était dans la rue qu'il a croisé. Alors Rashi nous donne deux critères. Premièrement, il faut que ce soit Makom Yeshivat Beddin, il faut que ce soit l'emplacement du tribunal. Et deuxièmement, que les Dayanim siègent. Ils sont Yoshvim. Nachon, Elohim Nitzav Ba'adat El. Bekerev Elohim Ishpot. C'est-à-dire que pour que ça ait un statut de Beddin, il faut premièrement que ce soit dans l'emplacement qu'ils ont été Kovea et aussi qu'ils siègent vraiment. Là, c'était par hasard qu'il a croisé. C'était pas dans le Beddin, c'était dans la rue, ils étaient debout, et comme ça, il lui raconte. Eh bien, ça s'appelle pas Hoda Ad Baraldin. C'est pour cela qu'il lui a dit, si les Edim vont venir, alors ok, mais s'il n'y a pas d'Edim, tu peux pas, mais sur la base de ton aveu. Comment ça se fait que les Edim peuvent agir après son aveu? Pourtant, Rav a dit « Modé, Rakarba ou Edim Patou » parce qu'ici, cet aveu n'a pas le statut d'un aveu, car ce n'était pas un aveu devant le Beddin, c'était un aveu dans la rue. La Gemara dit « Ve'atania, Amarlo, en bidvarecha klum, shekvar hodeta. » Oh là là, oh que c'est beau. La Gemara dit « Nous avons une deuxième version de cette histoire. » Quelle était la réplique de Rabbi Yoshua? Comment a-t-il rétorqué à Rabban Gamliel? Selon la première braïta, il lui aurait dit En bidvarecha klum, shekvar en lo edim. Traduction: ce que tu as déclaré, ça ne sert à rien. Tu prétends que tu lui as crevé l'œil, donc il est patour, donc il est libéré, ça ne sert à rien ton aveu. Pourquoi? Il n'y a pas de edim, il n'y a pas de témoin. Selon une autre version, c'est-à-dire la deuxième braïta, il lui a dit un bidvar rechaklum shekvar odeta. Puisque tu as déjà été modé, eh bien sache que même s'il y a des témoins qui vont arriver, ça y est, finish. Puisque tu as déjà été modé, la hoda a, elle est irréversible. C'est-à-dire qu'une fois que tu as été modé bignas patour, ton evet kenaani ne sera pas libéré, parce qu'on a déjà dit plusieurs fois que la libération d'un evet kenaani, quand son maître lui a crevé l'œil, lui a cassé la dent, c'est une sanction, c'est un knas. Et puisque toi tu as été modé bignas, kvar hodeta. Puisque kvar hodeta, alors maintenant, même si les edim viendront, eh bien, ils n'auront aucun impact, car on ne pourra plus remettre le dossier sur le tapis, kvar hodeta. Donc c'est mot pour mot ce qu'a dit Rav. Rav, qu'est-ce qu'il a dit? Modé biknas ve'ahar karbao edim, patour. Rav a dit que c'est la hoda'a, elle est irréversible. Même si les edim, ils viennent par la suite, ils ne servent à rien. Leur témoignage est futile, nul et non avenu, parce qu'il a déjà été modé. Donc c'est exactement le débat a priori. La Gemara dit, regardez comment c'est beau. Maïlavtana ehi. Haïtana de Amar Shekvaren Aïdim. Ça va modé biknaz argaba ou Aïdim. Hayav. Mais Haïtana de Amar Shekvaren Aïdim. Ça va modé biknaz argaba ou Aïdim. Pas tout. C'est-à-dire, on est a priori
obligé de dire que cet enseignement de Rav ne fait pas l'unanimité, mais ça fait l'objet d'une machloquette entre deux baraïtot. Une baraïta qui dit que Modé Biknas Patour, Aval Ima Hakar Baou Edim Hayam. Il y a une baraïta qui dit Modé Biknas Patour, même si Hakar Baou Edim, il reste Patour. Léolam Patour. Alors, a priori, ça fait l'objet de la machloquette entre cette version et cette version de l'histoire de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Celui, la version selon laquelle il lui aurait dit, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, « El bidvare chakloum, shekvar odeta » C'est-à-dire quoi, shekvar odeta ? Si il y a eu odaa, ça y est, c'est irréversible. Tu ne pourras jamais la franchir. Même s'il y a des témoins qui viennent, même s'il y a des témoins, finish, ça ne servira à rien. Il restera ton esclave ad vitam aeternam. Mais selon la première version qui est chez Enlo Edim, Enlo Edim, machma que s'il y a des Edim qui vont venir même après la Oda'a, ils pourront la franchir. Ça veut dire Modé Biknas Verhakar Bawa Edim Hayav. La Gemara dit lo. Bien qu'a priori, il semblerait que la machloquette entre les deux versions, c'est justement qu'il y a une version qui soutient la thèse de Rav et une autre qui le contredit. La Gemara dit non, aucun rapport. Découlé alma modé biknas ve'ahankar ba'o edim patour. Je peux très bien dire que si la personne, elle est modé biknas, eh bien c'est ad vitam aeternam. Dès que la personne a fait une hoda'a, un aveu, par rapport à un knas, elle restera patour, même si plus tard viendront des edim pour le condamner, il restera acquitté, innocenté. Alors pourquoi il y a une version comme ça, une version comme ça, une version qui dit que pourquoi ta vie, l'esclave de Rabban Gamliel, ne sera pas affranchi, bien qu'il lui a crevé l'œil, c'est parce que kvar odeta. Et l'autre dit parce que kvar en lo edim. Quel est l'objet de la machloket? Voici l'objet de leur discussion. Haïtana de Amar, Shekvar en lecha Edim, Savar. Houtz le Bedinava. C'est-à-dire, celui qui dit que en lecha Edim, il dit que ça s'est passé en dehors du. Comment on appelle ça, du tribunal. Et donc, si c'était en dehors du tribunal. Si c'était en dehors du tribunal, bravo, cet aveu ne s'appelle pas un aveu. Ça n'a pas le statut d'un aveu. Si ça n'a pas le statut d'un aveu, qu'est-ce qu'il peut y avoir après? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir après? Témoignage. Le témoignage, il sera valide. Ve'artana de Amar, Shekvar Odeta, Savar Bebedinava. La deuxième Raïta qui a parlé de la Oda'a, il lui aurait dit Kvar Odeta. Il pense que l'histoire, ça ne s'est pas passé dans la rue. C'était pas dans le marché. C'était au Bedin. Et comme Rabban Gamliel est venu avouer dans le Bedin, alors ça s'appelle un aveu. Si ça s'appelle un aveu, ça devient irréversible. Donc les deux versions, elles sont d'accord avec qui? Les deux. Bravo, mais grave, excellent. Les deux versions peuvent soutenir, peuvent tout à fait être en adéquation avec Rav, il n'y a aucun problème. Modé biknas, patour ad vitam aeternam, même si les redim viennent par la suite. Alors pourquoi, selon la première version, il lui dit, parce qu'il n'y a pas eu de redim. Mais si, machma, que si les redim viennent, eh bien il sera libéré. Ça veut dire que quoi? Modé biknas ve rankar ba'o redim, hayab, ça contredit Rav. Il dit, non, Rav te dit, ça ne me contredit pas du tout, pourquoi? Car je peux très bien dire que pourquoi les Edim seraient admis par la suite, c'est parce que l'aveu n'était pas un aveu. Il a avoué dans la rue. Itmar. La Gemara maintenant va se focaliser là-dessus. Et elle va citer un grand débat à ce propos. C'est une marloquette entre Rav Shmuel. Est-ce que Modé Biknas vers Hankar Baou Edim, Hayav ou Patour? Itmar, Modé Biknas vers Hankar Baou Edim, Rav Amar Patour ou Shmuel Amar Hayav. Donc Rav, on a déjà vu qu'il a, il a déjà dit que si jamais le bonhomme il a avoué, bien que plus tard il y a des Edim qui arrivent, il restera Patour définitivement. Shmuel dit non, Shmuel Amar Hayav. S'il y a des Edim qui arrivent par la suite, il sera condamné.
נכון? Amar Rava bar Ahilai, Maïta Manerav. Quelle est la raison pour laquelle Rav pense que Modé Biknas, Arakarba ou Aedim Patour, Patour ad vitam aeternam. Pourquoi Rav pense que l'aveu est un élément nettoyant définitivement par rapport au Knas? Pourquoi? Eh bien, il dit le déduit du Pasuk. Im imatse be'edim, timatse be'deyanim, prat le marchia et atzmo. La Mali. Mais Hacher, Yarchiron Nafka, et l'Ashma Mina, Modé Biknas, Verakar, Bahou Edim, Patour. Qu'est-ce que ça veut dire? On a deux psukim. On a un pasuk qui parle de Ganav et un pasuk qui parle de Tohen Ta'anat Ganav. Qu'est-ce que c'est Tohen Ta'anat Ganav? C'est quelqu'un qui était gardien, Shomer Hinam. Et voilà que le Shomer Hinam, quand on vient lui réclamer l'objet qu'il gardait, il a dit, on me l'a volé. Ah bon? Jure qu'on te l'a volé. Il a juré qu'on lui a volé. Finalement, arrivent des témoins, et il attrape, ils disent, Ravé Rabotaï, c'est lui-même le voleur. Et il a menti, prêté faux serment, et volé. Akol, bakol, mikol, kol, la totale. Cet homme-là, il va devoir payer combien? Chez Naïm, il va devoir payer le double. On a un autre pasouk, d'accord, qui nous dit Imimatse, Timatse, Beyado Agnera. Là, on parle d'un ganav lui-même. Il y a un pasouk qui parle du ganav lui-même. Imimatse, Timatse, Beyado Agnera. Ça, c'est le vrai ganav. Et, mais Asher Yarchiron Elohim, Yeshalem Shenaim Lerehu, ça, c'est le Tohen Ta'anat Ganav. Alors, Rav, il se posait la question, il dit, je ne comprends pas. Imimatse, timatse. Pourquoi la Torah elle se répète? Et elle écrit Imimatse, timatse, biyado agneva. C'est pour nous dire Imimatse, be'edim. C'est seulement. Quand est-ce qu'il y a Kefel? Kefel, c'est quoi? C'est un knas. Keren, le capital, c'est mammon, c'est ce qu'il doit. Même s'il avoue, il doit payer. Mais on parle du Kefel, le double. C'est-à-dire qu'il faut primo qu'il y ait de témoins, deuxièmement qu'il soit jugé par le Bedin pour le condamner à un Knas. Même s'il y a des témoins, s'il n'y a pas de Dayanim qui l'ont jugé par rapport à ces deux témoins, il n'est pas khayab de Knas. Prat le marchia et atzmo. Ça exclut celui qui avoue et qui s'auto-condamne. Marchia et atzmo. Alors, de là, on apprend que Modé Biknas, Patour, Lamali, mais Acherir Chiron, Nafka, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce pasouk à propos du Ganav, Naron, à propos du Ganav, la Torah nous dit, Modé Biknas, Patour, mais tu n'as pas besoin de me l'enseigner au niveau du Ganav, Umimatse, Timatse, Beyado, Hageneva. C'est quoi Yimatse? Beredim, Timatse, Bedayanim. Ce n'est que comme ça qu'il payera double. Mais si c'est un aveu personnel, il n'y a pas d'autocondamnation pour le Knas. Mais tu n'as pas besoin de me le dire, je connais cette halakha. Ah bon? D'où tu connais? Eh bien, Torenta Anad Ganav. Il y a un autre pasouk qui parle du gardien. Le gardien qui a menti, qui a prêté un faux serment, qui a volé, il s'est fait attraper par la suite. Il a prétendu qu'il s'est fait voler, c'était lui le voleur. Qu'est-ce que disent les Redim? C'est lui le voleur, il payera double. Là-bas, c'est écrit « Asher Yarchiron Elohim ». Qu'est-ce que ça veut dire « Asher Yarchiron Elohim Yeshalem Shenaim Lerehu » Le mot « Elohim », en l'occurrence, c'est les Dayanim. Un Dayan s'appelle Elohim. Parce que le mot Eloa, ça veut dire force, pouvoir, puissance. L'autorité juridique, c'est une puissance, c'est un pouvoir. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, ça s'appelle Elohim. Eh bien, Moré Vera Botaï. C'est pour nous dire que seuls les Dayanim ont le pouvoir de condamner un voleur ou un Torrent Anad Gana à payer Kefel. Ça veut dire, en d'autres termes, qu'il n'existe pas d'autocondamnation pour le Kefel. Donc voilà, Modé Biknas Patour. Pourquoi la Torah se répète? Modé Biknas Patour dans Tohen Ta'anat Ganav.
Modé Biknas Patour dans Ganav. Pourquoi deux fois? De là, Rav a déduit que c'est pour nous enseigner un Hidouche. Que Modé Biknas Patour, pas uniquement lorsque les Edim ne sont pas venus, mais même lorsque les Edim sont venus par la suite. Pour nous dire que Modé Biknas Patour ad vitam aeternam. S'il y avait écrit qu'une seule fois, j'aurais pu penser Modé Biknas Patour, tant qu'il n'y a pas de Edim, il n'est pas tour. Il faut des Edim pour le condamner au Knas. Mais si les Edim viennent par la suite, il serait khayab. C'est pour ça qu'on te répète une deuxième fois. Non, il n'est pas tour, même si des Edim viennent par la suite. Il a fait au Shmuel. Qu'est-ce qu'il va dire? Shmuel amar lecha haou mi ba'ele le ganav asmo kedetana de Bechizkia. Et on va s'arrêter là. Lui, Shmuel dit, imi matse ki matse liado agneva, avec cette répétition de Asher Yarcheron Elohim, et ainsi de suite, il dit qu'en fait, c'est pour faire une autre dracha. Pas la dracha qu'on a fait draf pour dire Modé Biknas Patour, même sans Edim, Modé Biknas Patour, même avec Edim. Non. C'est venu pour la dracha, la fameuse dracha que nous a déjà enseigné Rabbi Hizkia dans Daf Samech Dalet. Tout ce que Rabbi Hizkia nous avait enseigné qui était basé sur ce pasouk, eh bien, Dever Hizkia, c'est exactement ce que pense Shmuel. Donc Shmuel, il fait la même dracha avec ses psukim comme Dever Hizkia et pas comme Rav. Voilà pourquoi il y en a un qui dit blanc et l'autre dit noir.